Yo tout le monde, c'est Overdose. Donc comme dit précédemment, donc dans mon épisode numéro 1, je vous avais dit que j'allais avoir quelques bugs. Donc là, ça a été le cas. J'ai eu simplement une coupure de caméra à la fin. Donc heureusement, c'était pour les quelques dernières secondes. Donc pas d'inquiétude. Voilà, bonne vidéo. Tout le monde, c'est Overdose, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fallout 76 pour l'épisode numéro 2. Et sans plus tarder, on va directement commencer notre la quête, on va qu'on la continue. Donc là, on en était où? Tac, donc département, après, il faut en apprendre plus donc sur ce qui s'est passé. Donc il y a un truc là, donc ça c'est la sortie, ça n'a rien à voir. Là, donc ça a l'air d'être la sortie aussi, donc on sent pas les steaks. Ok. Et là, c'est la sortie. Et on s'en bat les steaks. Entraînement volontaire, les bases du campement. En plus, sur le projet inoculation. Donc, je sais pas trop par où aller, je comprends pas tout. Je vois pas en fait où est-ce qu'ils veulent que j'aille. Peut-être en bas simplement, hein. Hop. Coucou. Je sais pas si on doit sortir en fait. Bah, je pense qu'il faut sortir, mais je suis pas sûr. Et s'il faut sortir en plus, c'est-à-dire qu'on va retrouver les tocards de tout à l'heure parce que ouais, du coup ils respawnent les salauds. Ouais, donc là c'est pareil. Hein. En fait, où j'aille, en fait, il y a ce putain de point et voilà. Bon, on va essayer de sortir, on verra. Alors, qu'est-ce que ça dit? Déjà, ça dit quelque chose de différent, c'est-à-dire que j'ai plus le point qui apparaît. Donc, ouais, donc en fait, c'est bien ce qui me semblait. Il fallait sortir simplement. Je suis vraiment un tocard. Merde. Mata, 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 oh le mata. Allez, mata, dégage, ah mata. Enculé. Allez, non, déconne pas. Je vais vous massacrer. Voilà, tu vois, je t'avais dit que je vais te massacrer. Viens par là, toi. Je vais lui courir après, mata. Oh là, non, en fait, on va peut-être faire du tour. Je sais pas par où aller, du coup, il me troll. Voilà, pioche. On prend le sac et serre-tube. Voilà, c'est hyper utile. Ouh, qu'est-ce qu'il y a? Voilà, tenez. C'est un cadeau. Putain, ça marche, c'est hyper lumineux. Voilà, c'est un chouette cadeau offert par la maison. Hein, c'était gratos. Peut-être pas m'en approcher tout de suite, j'ai pas envie de clamser. Ok, et ils ont des trucs de ouf. Hop, je vais ramasser tout ce qui est intéressant à mon sens. Ok, qui est en plastique par exemple, c'est pas intéressant. Pioche, ok, ouais, une petite pioche, allez, vas-y. Comme on est en poids, on est à 148. Je vais faire un petit détour par la gare à nouveau. Pourquoi est-ce qu'il veut que j'aille là? Il faut que je terminal, enculé. Oh, c'est chou ça. Ok, là, il y a l'air d'avoir un gros bordel ici. Mais peut-être éventuellement des choses aussi à ramasser. Personne d'autre, ok. Allez, laisse-moi passer. Non, non, non. Voilà, quel bête. Oh, bah, ouais. Moi, ouais, je suis passé de l'autre côté, du coup. Alors, parfait. On va tout de suite y foutre notre bric-à-brac. Ça.
ça, ça, ça et ça. Tenue. Tenue du géomètre. Ça, du coup, il faudrait que je m'en équipe. Le problème, c'est que j'ai pas la... il faudrait que je la répare et là, tout de suite, j'ai pas le temps de m'en occuper. Carotte, on va mettre ça dedans. Bol de nouilles, ok. D'ailleurs, il va peut-être falloir qu'on s'occupe d'ailleurs d'avoir quelque chose pour à boire et à manger. Forêt du feu. Distributeur de munitions. Oh, chouette. C'est cher. Non, j'ai que 166 capsules, mon gars, tu vas te faire foutre. Ok. On va juste voir. Alors, c'est trop cher. Pour l'instant, on va faire des radins de base. Bon, est-ce que si jamais je fais brûler quelqu'un, est-ce que j'ai moyen de faire de l'eau bouillie sur lui? Hein, dans le style, en fait, lier l'utile à l'agréable. Là, je te bute, mais bon, pas pour rien. Ok. Il y a un peu de monde quand même. Je vais quand même faire péter un coup de fusil de chasse. Là, il y a du monde, hein. Ce shoot. Allez là, eh, les gens, les munitions, c'est pas comme si je les avais tout le temps, hein. Faut arrêter, mal, mon gars. Ok. Et je crois qu'il y en a un troisième. Bingo. Ok. Quoi? Ok. Ça s'est passé très très bien, je trouve. Ok, y'a rien, cadavre, y'a rien, mais mec, faites quoi là? Ok, parfait, hop, on va prendre ce qui nous intéresse seulement parce que, hein. Ok, c'est la fusion. J'aime bien tous ces petits bunkers là, ça me laisse penser que je vais trouver plein de cadeaux, mais bah, en fait, non. Genre là, est-ce qu'il y a un truc dedans? Nice. C'est quoi, c'est un bouquin? Faut pas le ramasser. Ah. Et la merde. Et... POM! Headshot! Toi, je t'ai ramassé ou pas? Non, je t'ai pas ramassé. Putain, le mec, voilà ce qu'il a. Plastron, ok. Alors. C'est un peu abîmé. Mon plastron actuellement, il a 6-15 et lui, il a 7-17. Ouais, ok. Pour l'instant, c'est pas dingue, hein. Voilà l'argent. Oh, ouais, plein de trucs. C'est surtout aussi pour crafter par exemple votre camp, c'est assez chiant. C'est pas aussi simple en fait que sur Fallout 4 en fait. Hop, je vous fais exploser, bande de bâtards. C'est quoi? Chelou. Ah bah faites péter moi les capsules, je prends. Qu'est-ce que c'est? On aurait dit un châssis d'armure assistée, mais ça n'est pas. Hein. Ok, il y a des morceaux par-ci par-là. Alors. Une petite lettre, mon petit gars. Chérie, je suis au campement. Maria m'a donné une journée pour prendre des repos. Genre moi, j'espère que tu as quelque chose à faire.
Ne t'inquiète pas, si les volontaires s'arrêtent pour apprendre des trucs, le robot devrait pouvoir s'en charger. J'ai codé tout un programme pour ça, de manière à me laisser le temps de me reposer et de profiter de la nature avec toi. Je t'aime mon cœur, Miguel. Chouette. On n'oublie pas les petites holobandes, c'est important. Enfin, du moins, ça peut être important. Tâche à faire cette semaine, régler les problèmes du programme de camping, vérifier le bon fonctionnement des kiosques de Flatwood. Ok, ah, c'est bien, je m'en branle. Kiosque de Flatwood, ok, tâche. Capable de traiter plusieurs dizaines de volontaires par jour et doit enseigner leurs compétences de base grâce au temps donné par les Samaritains locaux. Les contacts sont Kesha, Delbert. Tous les deux sont désireux de servir de modèle pour ce programme. Ouais, ok. À vrai dire, m'intéresse pas trop, mais. Donc, nous, on doit aller par là. Ah, il y a un petit événement. Waouh! Ah ouais, mais. Ah ouais, mais mec, c'est pas ce qui était prévu. C'était pas dans le contrat. Waouh, la vache. Oh, oh la vache, un sulfure. Oh merde. J'espère qu'il va pas atterrir. Non, bouge pas. Fallait pas que tu bouges. Ok. Ouais. J'ai tellement pas envie qu'il atterrisse. Comment vous dire, le sulfure, c'est un peu le... C'est l'écorcheur volant du jus, en fait. Voilà. Il vous fait pas trop de cadeaux. Hey! J'ai raté. J'ai encore raté. Mais sérieux, ce jeu va me rendre dingue. Mais mec, quel moment je t'ai pas? Ah, c'est bon. Ok, donc là on a niqué tous ceux qui s'étaient à niquer. Je sais pas du tout si c'était une quête ou quoi. J'ai envie de lui tirer dessus quand même. Non, il a pas l'air méchant. Il a pas l'air méchant. On va donc pas. Se risquer à perdre la vie de manière inutile. Mon personnage a soif. Et ça, c'est pas cool. Ok, des petits trucs sympathiques. Je pense que... Mais mec, ils sont tous là ? Alors, ouais, non. Comment te dire? Ok, t'es content? Je l'ai plutôt bien senti, ce coup de pression. Bon, il faut un escalier pour monter. Je sais pas par où aller. Pourquoi ils ont repop aussi vite? C'est pas cool ça. Rien du tout. Nice. Alors, faut qu'on aille là-dessus. Je sais pas trop pourquoi. Je sais plus trop. Hein. Annonce du projet inoculation. Ah. On va tout regarder. Ok,
D'accord. Donc, les sulfures, donc c'est les chauves-souris mutantes géantes empoisonnant le sol et transformant toute créature vivante en serviteur mortel. Ok. Ok, bon, machin. J'ai anti-calciné. Bon. Grosso modo, c'est terminé. Les sulfuries sont donc des chauves-souris mutantes. Et on a hyper soif. Alors, donc, au purifier. Ah, bah j'en ai plein. Ok. Est-ce qu'on a de la nourriture? Pâté pour chien, donc non, purée minute, préserver, vivre, 15%, ça va aller. Ragout d'iguane, bon, allez. Ouais, bon, écoute, je fais ce que je peux. Augmentation de la faim et de la soif de 50% moins rapide pendant 10 minutes. Allez, FPT, on mange un chewing-gum. Si suffit que ça. Nice! Alors, du coup, ensuite. Étude et recherche du docteur Hudson. Éliminer les calcinés. Bah ouais, je veux bien, mais. Ok, moins 1, moins 2, et terminé. Je les ai défoncés. Attends, alors j'avais pas du tout de munitions, que là c'est vraiment la folie. Je suis content. Ok. Alors, j'aimerais bien ramasser tout ça, sauf que. Des saucisses. Ok, c'est bien. Au purifié, c'est très très bien aussi. Est-ce qu'on peut les manger, les saucisses? C'était hot dog. Ça fait quelqu'un. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Eh, hey, du monde là-haut. Mais il y en a combien? Ah la vache! Il y a une couronne. Je sais pas pourquoi. Merde, shit. Sérieux? Comment je fais pour louper ça? Des choses que je devrais pas, mais ah, vas-y, hein. Combox. Cartouche. Ok, je trouve une recette. Bon, hey, je sais pas pourquoi je fais difficile, hein. Il suffit de tout ramasser, on n'en parle plus. Oboui, poil. Putain, encore cette putain d'histoire de niveau là qui casse les murs. Vous souffrez de la maladie parasite. Donc là, je sais pas où il est parti parce que du coup il est en train de courir n'importe où là. Je sais pas comment on monte non plus. Allez là, j'ai envie de profiter de cet événement et puis ah bah voilà. Emballé, c'est pesé et je sais pas où il est. Il est là. Une faucille. Non, gros, t'as pas le droit.
Bon, bref. Donc je sais pas où est-ce que je dois aller. Ah putain, je dois aller l'autre côté de la map. Oh la vache. Bah écoutez, ça va être l'occasion pour nous de découvrir un petit peu comment ça se passe. Mais what? Surtout quand tu es revenu. Vas-y, eh, c'est bon, je me tire. C'est pas que je suis un lâche, mais on va repasser vite fait au niveau du train là-bas, poser tout notre bazar. Et je souffre d'une maladie. C'est trop nickel. Tout ça à cause de ces trous de cul là qui ont pas voulu se bouger. C'est pas ma faute, hein. Ah. Argent d'avant-guerre. Vous quittez l'événement? Bah ouais. Écoutez. On va dire que là tout de suite, je ouvre. Ouais, je suis sur la bonne route. Ça va. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc là, on a les Samaritains qui sont passés par là. On voit bien le petit logo qu'on voit dans mon dos, qui est une veste pas très bien faite, d'ailleurs. Des Samaritains. Et ben, on a de la route, hein. Avant d'arriver de l'autre côté, on a de la route. Mais bon. Je vais peut-être monter direct. Je peux monter direct. Trop nice. Vis en vrac. Vas-y, une vis en vrac, fais péter. Alors, tac, on stocke comme d'hab tout ce bazar. Arme, si on n'en veut pas, ça n'en veut pas, ça n'en veut pas, ça n'en veut pas. Oh, la pâtisserie, on n'a pas le niveau de toute façon. Oh, mais c'est un pistolet légendaire. Et, c'est un 44. Eh ben, on va le garder. On va laisser tomber le 44 qui avait moins de dégâts de toute façon. Ok. Ok. Tenue, est-ce qu'on a des choses? Ok, ouais. Valeur 15! 5! Et là, tout pourri. Ouais, après, on peut peut-être en garder et s'en servir pour. Je sais pas, moi. Oh! Ils font de policiers samaritains. Donc là, moi, j'ai l'équipement. J'ai l'uniforme qui est donc des sauveurs. Hein. Ben. Alors, attendez, on va faire un truc. Déjà, tenue. Je vais juste voir ce que ça donne. Oh, c'est dégueulasse. Oh, beaucoup mieux ça. Ok. On va mettre ça. Et le reste. Putain, je sais pas ce que c'est, mais ça fait un bruit de ouf. Quoi? Ça vaut plus ça? Et là, ça vaut plus que 9. Bon, je suis sûr qu'il y en a qui vont me dire dans les commentaires « Ouais, t'aurais dû aller là, machin. » Bah, je vous dirais, vous avez fallu me le dire avant. Fallait me le dire avant. Si vous avez du matériel à changer, je peux vous aider. Ouais, tu peux. Alors, magazine de société, je sais pas du tout... Je sais pas du tout si jamais ça a un intérêt quelconque de les garder. Donc on va dans le dos, je vais les vendre. Mais qu'est-ce qui tire? Il faut vraiment arrêter les gars. Hein. Ah! Non, je sais pas en fait. Je pense à rien. Il y a quelque chose qui tire, je sais pas quoi. Il n'y a pas grand chose, il faudrait vraiment que je trouve un feu de camp, ça serait tellement utile. Ok, donc du coup, pénible. On va descendre, je pense qu'on va longer cette petite route là, la rivière, pour découvrir en même temps des choses et tout en sachant qu'on doit aller jusque là. Putain, de toute façon, ça tombait bien, j'ai rien découvert de ce côté, donc du coup, on va se faire. Ah, il n'y a pas de pont. Là, il y a un pont. Bah, on va découvrir ce qu'il y a ici.
la déplacer. Voilà. On va aller là. Et à l'issue, ensuite on ira plus bas. Sachant qu'on s'arrêtera à chaque fois pour bah, du coup découvrir en fait ce qu'il y a dans la zone quoi. Clairement je sais pas qu'est-ce qui se passe et d'où c'est que ça vient parce que où que je tourne en fait le bruit ne change pas de sens en fait. C'est hyper désagréable. Vu. Raté. Ok, je suppose qu'il y a bien un truc à faire ici, mais... Non mais c'est bien beau de me dire attention, mais dites-moi au moins où est-ce que je dois faire attention. Ah ouais, ok, c'est bon. Putain mais... Ah là là. Oh bâtard. Allez. Putain, des fois ça met tellement de temps à tirer, c'est horrible. Ça me fait péter des plombs. Je me prends des cartouches parce que eux-mêmes mettent trop de temps à prendre une cartouche. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi j'ai des marqueurs? Trouver les caches de matériel de Samaritain. Ah, bah je sais pas du coup, on va peut-être... Peut-être chercher ici vite fait ce qui se passe. Ah, mais ça suffit! Peut-être là-dedans? Bon, j'ai pas trouvé. En clair, ça veut juste dire je me barre. Mais je reviendrai plus tard, je pense, en dehors des vidéos. Bien. J'espère juste que ce bruit de shoot qui tire de partout là, il va s'arrêter parce que waouh, oh, c'est relou. La faune et la flore. Alors, c'est très similaire à Fallout 4, hein, à vrai dire. Pas de grande différence, mais. Je dirais quand même qu'il a été graphiquement amélioré. Hein. Ok, donc je suppose que c'est là-bas qu'on doit aller. C'est quoi? Je sais pas quoi il ressemble l'icône. Et si un jour vous croisez un yogai, je dis si, hein, parce que pas obligé d'en croiser un, mais si un jour vous en croisez un. Sérieusement, foutez le camp. Alors, on a un poste de cuisine, bah c'est très bien. Et donc, à partir d'ici, plus de caméra, j'en suis désolé. Pour les prochaines vidéos, je vais essayer de corriger l'image qui, donc, cette fois-ci, était beaucoup trop lumineuse. Et aussi, donc, changer le micro pour passer sur celui que vous entendez là tout de suite, qui est de bien meilleure qualité que celui de la caméra. En attendant, je vous dis ciao tout le monde. Kiss.